Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée. Repos de l'âme de Florence Tening, Philippe, Christina, Anne Yun, Lee Michel. Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, leur fils aîné. En honneur de Saint Antoine de Padoue, pour faveur obtenue de Roland. Action de grâce à l'action du 33e anniversaire de mariage du diacre Pierre Kennel et Magali Bercy du 21 avril. Pierre Kennel, Bercy. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques. Et normalement, si vous faites attention, les 3 premiers dimanches de Pâques, la liturgie de la parole nous présente toujours un récit d'apparition du ressuscité. À partir du 4e dimanche, alors entrent en jeu d'autres célébrations, d'autres récits évangéliques. Alors aujourd'hui, le 3e dimanche, nous avons un dernier récit de l'apparition du Seigneur ressuscité. C'est l'histoire de 2 disciples d'Emmaüs. Une belle histoire. Alors, on va méditer sur les 2 disciples d'Emmaüs. D'ailleurs, ce dimanche-ci, c'est moi qui l'ai préparé dans le pion. Vous allez voir à la page 2, ce que je raconte là, je vais vous l'expliquer dans l'homélie. Commençons par nous concentrer nous-mêmes et puis reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé sur nos chemins, pour nous révéler le dessein du Père, prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde pour vaincre le mal et nous tracer le chemin de la vie, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, vainqueur du péché et de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Garde ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale qui l'attend désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, l'homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle retienne à son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour de mort, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par la présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône, un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous, tous nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'attendez. Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie ensemble. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Ne laissez ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face, débordement de joie. À ta droite, l'éternité des délices. De la première lettre de Saint Paul, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartiellement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée par vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, «
quels événements ? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, et ils l'ont fait condamner à mort, et l'ont fait crucifier. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Les deux disciples d'Emmaüs avaient fait une expérience extraordinaire, une expérience édifiante avec Jésus de Nazareth parce que tout au long de son ministère, ils ont vu comment il enseignait avec puissance et comment il avait opéré des miracles, comment il avait guéri des personnes et comment il avait expulsé les démons. Alors pour eux, Jésus de Nazareth était bel et bien le Messie, celui que Dieu avait envoyé. C'était le prophète, celui que Moïse avait annoncé. Et c'était lui qui, nécessairement, devrait rétablir le royaume de David et puis prendre le devant et donner le ton à Israël pour devenir, n'est-ce pas, la première nation dans le monde, être la tête de toutes les nations. Et voilà que l'inattendu arrive.
Jésus de Nazareth a été arrêté, crucifié et il est mort. Ensuite, silence. Alors les deux disciples découragés, sombres, tristes, ils ont pris la route de retourner au village, là où ils ont grandi, pour reprendre leur vie d'antan. Voilà que, alors qu'ils étaient sur la route, Jésus va arriver à leur rencontre. Voyez-vous, les deux disciples d'Emmaüs reflètent notre image à nous, reflètent notre itinéraire spirituel. Que de fois, dans notre vie, chacun, chacune de nous a cette expérience-là. Parfois, nous faisons l'expérience du désespoir. Il arrive de fois dans notre vie humaine que nous devenons sombres, nous devenons tristes à cause de certains événements qui ont bousculé, qui ont touché notre vie de tous les jours. Parfois, on peut faire l'expérience même des échecs cuisants. On peut faire l'expérience d'abandon et on reste tout angoissé, on ne sait pas comment aller de l'avant. Et même s'il faut parler de l'expérience pastorale, il peut arriver même dans une communauté paroissiale, même dans des communautés spirituelles, on commence une œuvre pastorale qui commence avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'emphase, et en cours de route, en cours de chemin, même à la fin, on voit que les résultats ont été, n'est-ce pas, bien réduits en deçà de ce qu'on avait espéré. On peut vivre le découragement, on peut vivre l'angoisse dans notre cheminement chrétien. Et là, c'est quoi qu'il faut faire quand ce moment arrive? Les disciples d'Emmaüs, même s'ils étaient découragés, même s'ils étaient tristes, même s'ils étaient angoissés, n'ont pas fermé leur cœur. Ils avaient le cœur ouvert à toutes les rencontres. Voilà pourquoi ils ont accueilli cet étranger qui était sur la route avec eux et qui les a abordés. Alors vous et moi, quoi qu'il arrive dans notre vie, ne fermons pas notre cœur. Gardons notre cœur toujours ouvert aux rencontres, à n'importe quelle rencontre dans notre vie. Le Seigneur peut toujours venir à travers différentes personnes, à travers différentes rencontres, pour nous saisir le cœur, pour nous relever et puis pour nous relancer. Le pape François, quand il est venu à l'été, dans une de ses prédications à Saint-Anne-de-Beaupré, il disait à peu près ceci, il disait, regardez, parfois dans la vie, c'est au moment où nous sentons découragés, déprimés, au moment où nous pensons que nous avons tout perdu, que nous laissons tomber les bras, c'est vraiment à ce moment-là que le Seigneur Jésus vient à notre rencontre, au moment où on l'attend le moins. Donc, comme pour dire, les disciples d'Emmaüs ont fait l'expérience du Seigneur. Alors nous aussi, au moment de temps difficiles, de temps sombres, gardons le cœur ouvert et restons attentifs à ce Seigneur qui vient pour nous relever. Parce que les deux disciples d'Emmaüs, le Seigneur les a relevés avec la parole, avec la prédication des Écritures. Il a essayé d'inscrire le dessein du Messie, le dessein du crucifié, il l'a inscrit dans le dessein de Dieu, dans la parole de Dieu. En fait, il a expliqué la mission de Jésus, la mission du Christ. Il a expliqué à partir des Écritures, il a nourri les deux disciples à partir des Écritures. Comme pour dire, dans notre cheminement spirituel, alors que nous passons des heures sombres, le Seigneur, quand il vient à notre rencontre, c'est pour nous relever aussi avec l'Écriture, avec sa parole, pour venir, n'est-ce pas, répondre à nos attentes au moment où on l'attend le moins. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de célébrations eucharistiques dans les écoles. Je vais continuer encore la semaine prochaine. Je me rappelle avoir célébré une messe dans une école. Alors que je sortais, je rencontre une enseignante qui était à la porte et puis on a commencé à parler. Elle me dit que, regarde, j'étais dans votre église à la messe de Pâques à 9h. Elle disait qu'elle était très contente, elle avait aimé la messe de Pâques à 9h ici chez nous. Alors elle me racontait que, en fait, elle voulait venir avec toute sa famille, c'est ce qui s'est passé, mais elle voulait venir à la messe de 11h. Mais son fils de 18 ans, qui étudie la chimie à l'université d'Ottawa, lui a dit qu'il devait étudier l'après-midi. Le fils proposait que toute la famille aille à la messe de 9h.
ce qu'ils ont fait. Mais il a attiré mon attention pour dire qu'il a eu tellement de la misère, de la difficulté avec ce fils-là quand il était adolescent. Le fils a passé par tant de difficultés. Elle a pleuré, elle a prié, elle a demandé du counseling, elle a tout fait. Alors aujourd'hui, elle était reconnaissante devant Dieu parce que Dieu l'avait aidé à garder son fils-là de 18 ans sur le bon chemin. Et c'est son fils de 18 ans qui a exigé qu'ils aient à la messe de Pâques à 9 heures. Et tout le monde a suivi. En fait, en réfléchissant sur l'histoire de cette dame, je pensais à l'histoire de deux disciples d'Emmaüs. Nous ne savons pas quand le Seigneur vient frapper à notre porte. Nous ne savons pas quand le Seigneur vient nous relever, comme il a relevé cette femme-là pour l'aider dans la situation de son fils de 18 ans. Regardez, dans toutes les explications de récits d'apparition, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, Jésus envoie toujours ses disciples en mission. Il les a apparus et puis les envoie en mission à la fin du récit. Mais une exception avec les disciples d'Emmaüs. Jésus ne les envoie pas en mission. Et pourtant, les deux disciples d'Emmaüs, quand Jésus a disparu, eux-mêmes se sont dit, nous allons retourner à Jérusalem, même si se faisait tard dans la nuit, pour aller annoncer que nous avons vu le Seigneur. Comme pour dire, l'expérience chrétienne nous invite à devenir des missionnaires. Nous, la mission, notre mission à nous est inscrite dans notre vocation de baptiser. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire chaque fois, va faire ta mission. Comme les disciples d'Emmaüs, ils ont senti le besoin, l'exigence de se lever et d'aller à Jérusalem pour annoncer qu'ils ont fait l'expérience avec Jésus. Alors la grâce que tu as reçue du Seigneur, la parole qui t'a réchauffé le cœur, et puis la rencontre que tu as vécue avec le Seigneur, l'expérience spirituelle que tu as vécue, ce n'est jamais pour garder pour toi-même, ce n'est jamais pour mettre dans tes poches, dans ton sac. C'est en fait sortir et aller annoncer, partager cette richesse avec le monde environnant. Voilà notre vocation, voilà notre mission qui ressemble à celle des disciples d'Emmaüs. En fait, les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été nourris de la parole, mais ils ont été nourris aussi de l'Eucharistie. Alors, vous et moi, chaque fois que nous venons à l'église, en fait, nous sommes nourris de la parole de Dieu qu'on proclame avec les lectures. Et ensuite, on est toujours soutenus par l'Eucharistie qui vient donner l'énergie spirituelle, donner de la force à nos cœurs pour justement continuer notre chemin. Je termine avec ce que je raconte dans le prier en église de cette semaine à la page 2. Voyez-vous, la paroisse où j'ai grandi, la paroisse maternelle, la paroisse paternelle, il y avait un centre de renouveau spirituel qu'on appelait le centre d'Emmaüs. Alors dans ce centre-là, on organisait, j'imagine qu'ils le font encore aujourd'hui, eh bien des retraites, des sessions bibliques, des sessions pastorales pour former les chrétiens. Et moi, personnellement, comme prêtre, les quelques années que j'étais là, j'ai aussi donné des prédications. Aujourd'hui, en réfléchissant sur la vocation de ce centre-là, je me suis finalement dit que le centre, notre communauté chrétienne ici à Saint-Rémy, nous devons devenir un petit centre d'Emmaüs, dans le sens que c'est ici, à l'Emmaüs, où les personnes doivent rencontrer Jésus dans le chemin de leur vie. C'est ici, notre centre d'Emmaüs, où les gens doivent faire l'expérience de Jésus, être réconfortés dans leur vie, être relevés par la parole, être nourris, en fait, par son Eucharistie. C'est dans nos foyers à nous, nos familles doivent devenir des petits centres d'Emmaüs, c'est-à-dire que c'est dans nos foyers que les personnes, quand ils nous visitent, nos voisins, nos visiteurs, les membres de nos familles, quand ils viennent dans nos familles, ils doivent trouver l'ambiance de sorte qu'ils rencontrent Jésus et Jésus ressuscité au cœur de nos foyers, au cœur de nos familles. Nous devons devenir ces centres-là qui offrent la parole de Dieu et qui donnent la possibilité de revenir, de donner soif à l'Eucharistie. Alors, quand on accueille les gens dans des petits centres d'Emmaüs, comme la paroisse, comme nos foyers, comme le milieu de vie, à ce moment-là, nous allons être relevés et nourris par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va nous envoyer au monde pour que nous assurions le ministère du service, du don de soi et de la charité pour toujours, et s'appuyer sur la fraternité qui en fait engendre le nouveau monde. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu écoute toujours nos prières. Il vient continuellement à notre rencontre et se rend présent même dans les moments les plus sombres. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour lui faire état des besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Et disons-lui, « Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. » Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle continue à temps et à contre-temps de rendre témoignage au Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les autorités civiles et pour les chefs des communautés, afin qu'ils s'engagent toujours plus à lutter contre la pauvreté et à promouvoir les biens communs. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les personnes qui traversent d'importantes épreuves et sont prises par le découragement, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des gens qui les réconfortent et leur apportent de l'aide, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse, afin qu'ils demeurent ouverts à toutes les rencontres qui les orienteraient vers la mission, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que les célébrations eucharistiques les incitent toujours à proclamer en parole et en acte l'Évangile du Christ est ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous, écoute-nous. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui marches avec nous. Pour le mouvement de l'incarnation, le groupe de la parole qui débute dans notre paroisse, prions le Seigneur. Pour notre diacre Kenel et Magali, qui célèbrent leur anniversaire de mariage, le 33e, cette fin de semaine, prions le Seigneur. Dieu de bonté, dans les hauts et les bas de la vie, tu es toujours à nos côtés et tu marches avec nous. Écoute aujourd'hui nos supplications et comble-nous de ton esprit de vie. Nous te le demandons par Jésus, le ressuscité, qui vit avec toi pour les siècles des siècles.
serpent, fils de la terre, papa des jeunes et des femmes. Je bénis Seigneur, délivre toi qui nous donne ce grand fruit de la vie, travail des jeunes et des femmes. Nous te représentons des délivrés de Dieu qui te donne notre vie. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous, et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre tout entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, soit présenté à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église,
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Puis donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Antoine de Padoue, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, plus spécialement pour Florence Ning, Philippe et Christina Ayuan, pour Roméo et Laurette Sauvé, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le ressuscité. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prenez votre prion à la page 23, au bas de la page. C'est ce que je propose comme objectif de vie. Objectif vie. Durant cette semaine, on va lire les trois points ensemble. Si je vis des moments sombres, je me laisse éclairer par la parole de Dieu pour approfondir ma foi en la résurrection. Je lis chaque jour un récit évangélique d'apparition du ressuscité. Je trouve une façon discrète mais éloquente de manifester mon engagement à la suite du Christ. Deux petites annonces. Dimanche, plutôt le samedi qui s'en vient, c'est le 29 avril, et c'est le jour attendu justement pour notre souper familial, notre souper spaghetti, organisé par les filles d'Isabelle. Évidemment, vous êtes invités, tous ceux qui ont acheté les billets, et puis on va faire famille ensemble, et puis on va passer des moments ensemble après la messe de 17h, donc c'est prévu à 18h30. Ensuite, toujours les filles d'Isabelle, comme vous le savez, proposent des t-shirts. Ça tout va à l'extérieur, dans la salle d'accueil, avec Linda. Si vous êtes intéressé à en acheter, c'est le moment de faire votre commande. Et puis, il y en a pour des adultes, femmes et hommes, et aussi pour les enfants. En fait, le but, c'est quand on achète un t-shirt, en fait, le bénéfice va aller à la paroisse pour le 60e anniversaire de la paroisse. Comme vous le savez, notre but est de récolter 60 000 $. Et chacun, chacune de nous a un rôle à jouer là-dedans. La dernière chose, c'est que le comité pastoral couple-famille rappelle que toutes les personnes qui se sont inscrites, eh bien demain, après la messe de 11h, il y aura une rencontre avec la pastorale couple-famille pour donner l'information et montrer comment le peuple, les gens qui s'engagent, vont continuer à travailler ensemble. Voilà pour ce qui est des annonces. On va conclure notre célébration. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis
dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Amen.